Au centre de contrôle de Saint-Arnoult, un automobiliste vient de signaler la présence d'un piéton sur les voies. Un phénomène assez fréquent. Promeneurs, cyclistes qui frôlent des voitures roulant à 130 km/h et plus incroyable, des personnes en fauteuil roulant qui slaloment dans les embouteillages. Voici l'homme qui marchait sur le bas-côté. Lorsque les gendarmes sont arrivés, il a voulu prendre la fuite en traversant les voies. L'homme a dû être menotté en attendant que la deuxième équipe arrive sur place. Il refuse de donner son identité. Il est sans papier, il a essayé de se tirer à travers les voies. Donc je l'ai chopé. Il n'a pas vu, c'est s'interpeller. Il me faut quelqu'un parce qu'il ne veut pas rentrer dedans. Laissez votre tête. Un bracelet, ils sont... L'homme n'a pas de papier sur lui, pas de moyen de transport, pas d'adresse. Il semble complètement perdu. Apparemment, cela faisait longtemps qu'il marchait le long de la 10. Les gendarmes l'emmènent pour l'interroger. On est d'où ? Paris. Il vient de Paris à pied. Les gendarmes n'en reviennent pas. Il vient de parcourir plus de 50 km à pied sur la bande d'arrêt d'urgence. On a pu se faire écraser par n'importe qui, surtout les poids lourds qui passent sur les premières voies, les voitures, etc. Là, il est mis en danger, lui et mes collègues qui ont essayé de le contrôler. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le jeune homme voulait atteindre le continent africain, soit plus de 5000 km à pied. Donc ça, c'est le nom de votre père ? Oui. Ça, c'est son prénom ? Oui. C'est dans quel pays ? En Côte d'Ivoire. Votre prénom, c'est Sia ? Oui. C'est ça ? D'accord. Vous êtes en France depuis quand, monsieur ? Depuis 6 mois. Et là, aujourd'hui, vous voulez repartir ? Oui. Vous pouvez rentrer où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas marcher sur l'autoroute. Mais si, j'ai pas les moyens pour me retenir en bus, je suis obligé de prendre la route en piège. Mais monsieur, vous savez à combien c'est la Côte d'Ivoire ? Des kilomètres ? Oui, je connais. C'est pas possible à pied, vous pouvez pas le faire. Oui, je vais entrer en Espagne. Mais même l'Espagne, c'est loin l'Espagne. Oui, mais même si c'est loin, j'ai pas le choix. Les gendarmes sont désemparés face à ce jeune homme perdu et épuisé. J'ai dort dehors depuis 6 mois, je suis dehors, je ramasse des mégots de cigarettes pour fumer. Et pour me trouver de quoi manger, c'est tout un problème, j'ai pas d'emploi, rien. Si je reste comme ça, je vais finir toute ma vie à Paris. On est arrivé de la France, tout le temps, on croit qu'une fois étant en France, tout ça allait aller pour nous. Et on est arrivé en France, c'est encore une merde plus que l'Afrique même encore. Donc mieux vaut entrer chez nous. Circuler à pied sur l'autoroute est un délit passible d'une amende de 11 euros. Le jeune homme, lui, ne sera pas verbalisé. Il n'a que 5,85 € en poche. Les gendarmes vont donc prendre ses empreintes et son nom, sans aucune certitude sur sa réelle identité. Détendez bien votre poignet. Pour ne pas que l'homme récidive, les gendarmes lui proposent de le déposer à la gare direction Paris. Sur place, une association devrait lui venir en aide. Mais l'homme s'obstine. Il veut, coûte que coûte, continuer à pied sur l'autoroute, destination Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et tu veux qu'il va passer à la gare routière ? Vous êtes gendarme, vous réfléchissez, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quoi ? Vous voulez quoi ? Que je vous garde ici ? Je peux pas vous garder ici. Moi, il fallait me laisser rentrer chez moi, c'est un aussi, c'est tout. Non, ici, c'est pas possible. On marche pas sur l'autoroute. C'est pas possible. Pourquoi on marche pas sur l'autoroute ? Parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Qui a interdit ça ? C'est pas logique, votre conversation. Oh, c'est ça. Oh. Qui est interdit, c'est pas moi, d'accord ? C'est interdit de marcher sur l'autoroute. C'est n'importe quoi. Une heure. Incompréhension. Le vagabond ne peut pas reprendre sa route. Il doit retourner à Paris. Mais le fera-t-il vraiment ? Le périple de cet homme s'est transformé en véritable chemin de croix, alors qu'il croyait atteindre la terre promise, le pays de l'opulence. L'opulence sur l'autoroute, il y a un endroit qui la symbolise.